Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Hellblade 2. Donc on est sur Xbox Series X et on va se lancer ça tout de suite, on va pas perdre de temps. On va passer le récapitulatif, c'est ce qui s'est passé dans le premier, on va pas perdre de temps, on va directement commencer sur ce deuxième épisode. On va se découvrir ça. Ça sort aujourd'hui dans le Game Pass, sur PC et sur Series X. Et on se retrouve après la cinématique. She made a promise to the one she loved, dead now, but no less. A promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death. Make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are, beating and binding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign, and one among them they call Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers. Keep her promise. Lads can drift off course. Ah ça, malheureusement, tu peux pas faire grand-chose contre la météo. It begins as it ends. Alone in the dark. It's time to wake up now. Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Ouais, là, t'es un peu dans la merde, là. Don't look anymore. Now. Now.
Bon, c'est comme le premier, on a une ambiance particulière. En tout cas, ça a l'air assez joli hein, quand même, on va pas se mentir. Après, il y a eu la polémique, c'est pas en 60 images secondes. Alors moi, le boîtier m'affiche 40. Simplement parce que quand vous avez le VRR, etc., ça devrait être ça. Mais le jeu, bon, en gros, il tourne 30 images secondes. Non, est-ce que sur un jeu comme celui-là, c'est gênant? Moi, je préfère 60 aussi, mais est-ce que c'est gênant sur un jeu comme celui-là? On verra bien. Tout cas, il y a l'ambiance, hein, comme le précédent. Ça, on peut pas l'enlever. Après, encore une fois, Microsoft qui déconne et je crois qu'il fallait aller là-bas. Il me semble qu'il fallait monter là. Microsoft, encore une fois, qui déconne et qui fait pas de pub pour le jeu, hein. Il a quasiment pas été. Non, faut pas monter là. Il a quasiment pas été, comment dire, en termes de marketing, ils ont pas fait vraiment de pub, ils en ont pas vraiment parlé, ils ont pas vraiment. Donc c'est un petit peu dommage parce que bon, ils sont déjà pas dans un mood très positif en ce moment chez Microsoft, dans la division Xbox en tout cas. Si en plus ils oublient de faire la pub. Pour ce type de jeu. Bon. On va pas s'en sortir, hein. Mais bon. Écoutez, je suis pas décisionnaire chez Xbox. Et tous autant qu'on est, on est à une place confortable. Et à des places comme ça, on aurait certainement fait des conneries aussi. Mais là, les derniers mouvements de fermer des studios qui ont fait des trucs qui sont bons. Enfin, en tout cas, un des deux studios. Et toujours d'avancer des arguments qui sont quand même pas GG. Pas faire de pub du tout pour ce jeu-là. Voilà, quand t'as des ventes qui sont en dessous. De tes concurrents, bon, même si c'est pas catastrophique les ventes de Xbox, mais bon, ils auraient quand même pu faire un effort. Moi, je serais pas étonné que dans les années à venir, ça devienne un éditeur, hein. Réellement. Et plus vraiment un constructeur, il n'y aurait plus de console. Je serais pas étonné hein, qu'à un moment donné ils abandonnent. Ils ont dit que non pour le moment et je pense que ça arrivera pas maintenant, mais je serais pas étonné qu'à un moment ils finissent comme Sega. Mec, ils ont acheté Activision, Blizzard, tout ça. T'as subi ce qu'elle a subi, que t'as réussi à escalader comme elle l'a fait là, ouais, à un moment donné, tu finis par tomber.
did you come back? Did you think you had left her behind? I am always here. I won't listen to you! Ouais, sacrée ambiance. Hein. On va pas aller trop loin dans cette vidéo parce que le jeu va certainement pas être très long. C'est comme le premier. Donc je veux pas trop vous en montrer non plus. Ah, j'ai une touche pour aller plus vite. Bon. On va se méfier, hein, parce que le contexte est quand même un peu chelou. L'ambiance aussi. L'autre, il avait littéralement envie que je me casse la gueule. Après, l'ambiance sonore aussi est impressionnante sur ces jeux. Ils conseillent d'ailleurs de mettre un casque ou un truc parce qu'il y a l'audio 3D binaural ou d'avoir une installation en tout cas qui prend en charge l'avant, arrière et tout ça. Chose que je ferai après quand je jouerai de mon côté. C'est plutôt joli en tout cas, on va pas se mentir, il y a quelqu'un qui marche là-bas. On va pas se mentir, si vous m'excusez pour mon nez, j'ai des allergies. Faut que j'aille chercher mes cachets. Parce que là, ça commence à être... C'est la guerre. Bordel. Faut pas que je me jette là quand même. Non. Parce que là si on fait ça, c'est fin de l'histoire. Hein. Bon, je sais pas si on va réussir à avoir un combat dans cette vidéo. J'aimerais bien pouvoir vous montrer ça au moins une fois. Avant qu'on s'arrête. On entend des cris, mais bon, c'est pas vraiment des cris sympas. You are lost. How can the loss find anyone? You failed them. They are dead, like your mother. Shut up! Stop it!
Toi, quand tu dois vivre avec ça dans la tête, c'est compliqué quand même. Hein. Bon. En plus, c'était il y a longtemps le premier quand même, hein, donc je me rappelle pas tout à fait des mécaniques et de comment ça marche. Pas, en plus, vous avez vu, on vous explique pas vraiment là pour le coup. Faut se débrouiller un peu pour comprendre. Je me rappelle pas trop de toutes les mécaniques. On va s'approcher du bateau. Je sais pas si je vais au bon endroit, si visiblement je vais au bon endroit. Regardez, il y a toutes les âmes là. C'est un petit enculé lui, hein. Bon, il y a des survivants alors. On va essayer d'aller les récupérer. Ah, petit bâtard. Ben, l'état dans lequel on est... Ah, petit enculé. On m'a filé une épée, ça va commencer à devenir intéressant. Hein. Comment on esquive? En fait, il vous explique vraiment rien. Tiens, tu l'as pas vu venir celle-là. Bon. Don't
Allez. Ouais, en fait, je lui ai mis un gros coup, du coup, il a pas pu. Bon, c'est vraiment pas mal, ce système de combat, j'aime bien. Les mecs, vraiment, c'est bien que ils sont esclavagistes, donc voilà, mais voilà, ça fait mal à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on vous explique que dalle, hein. On vous donne aucune touche, rien, c'est à vous de vous démerder. Hein. Là on me dit esquive, mais esquive. Même les voix qu'on a dans la tronche s'y mettent, on va pas s'en sortir, hein, vraiment. Fallait que j'appuie, au fait. Depuis tout à l'heure, j'attends. Je regardais ce qu'elle me racontait. Mais j'en ai oublié d'avancer. Bon, je l'ai pas précisé, mais évidemment, c'est pas une vidéo tout public. Hein. C'est à moi de faire quelque chose là, non, j'ai pas l'impression. Ensuite, c'est pareil, ouais, vu qu'il n'y a pas de. Entre les cinématiques et le gameplay, il n'y a pas vraiment de jonction, on va dire, puisque. C'est toujours le moteur du jeu. À des moments, on sait pas trop si on doit appuyer ou pas, en fait. Comme il n'y a aucune indication à l'écran.
Oh, le petit bâtard. Ah. Oh, je me suis débrouillé comme une merde là. Allez, va mourir toi. Ouf. Tu as fait mal. C'est le boss. What are you going to do with that sword? He looks ready for you. He is ready to fight. You're ready. You will end this. You're fucking dead. Ouf. Bon bah il me l'a mis en premier. Ah ouais, lui, il est plus balèze que les autres, hein. Tiens. Ah bah, n'a rien, je t'ai touché quand même. Cet enculé. En fait, il y a moyen de mettre une direction à nos coups aussi. Ah. Ah. Putain. En fait, il enchaîne beaucoup trop vite. Ah, il esquive tout, hein. Ça. Ah putain, ça devient compliqué là. Je dis plus rien, j'essaye de me concentrer, mais là... Ah. Ah, le gars il enchaîne les coups, je peux rien faire. Hein, je t'attendais pas à celle-là. Ah
Putain. Ah, c'est chaud, hein. Il rigole pas, lui, hein. Après, c'est parce que j'ai pas non plus trop le truc en main. Ah putain. Même quand on esquive, il y a des directions en fait, hein. Mais bon, il s'arrête jamais lui, hein. Que je lui en ai mis quelques-uns quand même, hein. Non, j'ai bien l'impression qu'effectivement, je gagnerai jamais. Allez, allez, allez. Bon, cette vidéo elle va durer plus longtemps que ce que je pensais. Mais parce que je vais pas céder, mon pote. Jamais. Faudra me tuer si tu veux ça. Mais bon. Comme t'as décidé que... Ah. Allez, nique ta mère. Je vais être grossier, hein, je sais, au bout d'un moment. Enfin, on lui a mis la misère quand même, hein. Hein? You're gonna take me where I need to go. Yes. Bon, on va s'arrêter là-dessus, hein.
Bon, ça commence. On est dans l'ambiance tout de suite, hein. Et écoutez, on va s'arrêter là-dessus. On va pas aller plus loin pour cette vidéo. Je vais pas vous en montrer plus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.